Madame la Présidente, c'est le gala de la disque dimanche et les 14 derniers présidents pensent que le gouvernement devrait profiter de l'occasion pour annoncer une bonne nouvelle aux créateurs. Il faut forcer les plateformes de lecture en continu comme Spotify et Apple Music à mieux rémunérer les créateurs, à financer notre culture et à rendre visible le contenu québécois. Mais ça, Madame la Présidente, ça ne va pas se faire avec des consultations, ça ne va pas se faire non plus avec des mesures à la pièce. Est-ce que le gouvernement va légiférer sur le commerce électronique et faire en sorte que les lois continuent de s'appliquer en ligne? Bravo! The Honorable Parliamentary Secretary to the Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism. Le commissaire parlementaire du ministre. On est là pour nos artistes, nos artisans et nos créateurs. Et c'est que nous avons démontré dans la politique culturelle l'année passée. We have made historic investments of $3.2 billion in the cultural. Nous avons investi 2 milliards de dollars dans le secteur culturel, le fonds téléfilm, la Radio-Canada, pour mettre fin à l'inaction du gouvernement précédent. Nous voulons appuyer des productions canadiennes de haute qualité. L'examen a un but clair. Les gens qui participent au système y contribuent. Ils annonceront rien en fin de semaine. Madame la Présidente,